Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce troisième épisode avec Otto, notre rhino, et son nouveau compagnon Spirit. Je me réjouis de grandir avec notre animal car on sent vraiment qu'on est fragile et qu'on ne peut rien faire pour l'instant. Je pense qu'une fois qu'on sera adulte, on va enfin pouvoir s'imposer sur un territoire. Mais jusque-là, faudra encore patienter un peu, mais on verra ça tout de suite après l'intro. Les camarades. Ah, il se met sous nous. Oh, c'est mignon. C'est mignon, j'adore. Allons-y. On va essayer de retrouver nos familles, ça pourrait être pas mal. Histoire d'avoir un peu de protection. Par exemple, on est deux jeunes, mais en vrai, si on se fait attaquer... Bon, c'est cool parce qu'il est plus long que moi, en vrai. Si on va de façon stratégique... Si on voit de façon stratégique, j'ai l'avantage. Comme ça, les prédateurs, ils l'attaquent lui. Mais il est moins visible, en vrai. Hein. Oh, il peut sauter. Moi, je peux pas, je suis trop lourd. Wow, il fait des gros sauts. Oh, c'est géant. Donc là, j'aimerais bien me diriger par... par le nord-ouest. J'ai déjà mangé ici. Au moins récupérer un petit peu. Ouais, attention à lui, attention à lui. Hein. Je fais des coups de peur. Ah, il fait son malin. Hein. Attends que je sois adulte. On fuit comme deux petits là, tout craintif. Enfin, c'est trop bien. En vrai, ça va être vraiment fun à jouer les chevaux. Comme ils sautent et tout. C'est trop mignon en vrai. Hein. Ici, ça a l'air calme. Je vais boire là. Oh! On entend des chiens par là. Enfin, des chiens, c'est des loups. Hein. On entend des loups. Il est mignon notre ami, je sais pas ce que c'est ce bruit, c'est très dérangeant. On va aller voir. Il va voir si on trouve les loups après, je pense que les loups ça devrait pas trop nous faire de mal, hein. C'est pas très grand. Oh, c'est quoi ce bruit atroce là? Ah, mais il y a une cascade! On s'entend pas parler! Quel enfer, sortons vite d'ici! Oh, il y a les loups! Ah, c'est mieux là. Alors, je vous ai coupé un peu le son du jeu parce qu'il y a l'enfer! Oh là là, ce bruit! Et je n'arrive pas à les enlever dans les options. Et j'ai essayé dans les options d'enlever du coup le bruit. J'ai essayé d'enlever le sound effect, mais ça change rien du tout. Ce qui court vers moi, c'est le loup. Oh, il y a encore un loup, là. Il y en a plusieurs. Et le cheval, il est parti où? Il est où, mon copain? Il arrive? Ah, mon petit cheval. Je me suis mêlé au prédateur, là. En vrai, ils sont beaux. Hein. Pour l'instant, ça va. Ils sont pas très nombreux. Et je suis un peu plus grand qu'eux. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et on a vraiment contourné, je pense, le glacier. Ah, c'est la fin ici. Il n'y a plus rien. Ah, il y a encore en bas. Mais oh, je peux pas descendre là. Enfin, attention en faisant le demi-tour.
Là-bas, il y a le loup. Ah, il était adulte, le loup. Ah, c'est fou, comme c'est grand un rhino. Hein. Quand on sera complètement adulte, nous aussi. On est à combien, là? À 0,944. Ça va être incroyable. Bientôt, on va pouvoir grandir. Je pense qu'il va y avoir une meute de loups, là-haut. En vrai, ils sont plus nombreux que ce que je pensais, quand même. Hein. Les loups, de façon générale, c'est des animaux qui sont souvent joués dans The Cenozoic Era. Enfin, c'est des animaux qui grandissent très très vite. Et en vrai, en groupe, il y a moyen de faire quand même des choses de bien. Ils font pas beaucoup de dégâts. Ils ont pas beaucoup de vie. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent très nombreux. Ils grandissent très vite aussi. Donc, c'est un genre d'animal avec le tigre qu'on voit très très régulièrement. On peut descendre ici. C'est du hasard, hein, mais on suit le même trajet. Moi, je découvre. Ils doivent sûrement connaître. Ah, il y a un petit lac ici. Oh, il y a un loup un peu roux. Très sympa la meute de loup. Ah là, il y en a beaucoup, hein. Je vais quand même m'éloigner. Bon bah maintenant je vais pouvoir remonter et refaire tout le trajet que j'ai fait en sens inverse hein, vu qu'il n'y a pas d'échappatoire ici. Oh quel enfer. C'est tellement long. C'est tellement long. C'est vraiment beau et mignon ces cascades, mais le bruit est tellement infernal. Alors dites-vous que moi, à chaque fois, je baisse le son pour vous, hein, pour pas que ça vous éclate les oreilles. Vous n'imaginez pas à quel point c'est fort dans mon casque, quoi. Vraiment. J'en souffre là, c'est horrible. Passer derrière ou devant une cascade, c'est infernal, vraiment. Il commence bientôt à faire nuit, je pense qu'on va rester là pour la sieste. Comme ça, on est tranquille pour passer la nuit... proche où il y a à manger et à boire. Alors là, hop, on va garder ici le buisson. Parce que, ouais, il y en a d'autres là-bas quand même, c'est pas trop mal. Oh! C'est donc ça le bruit du rhino quand il marche? On a grandi, les amis! Regardez-moi ce beau rhino! Oh, par contre, on est long. Oh, ce bruit, ça va être un enfer. Oh, oh, ils ont vraiment mis ce bruit pour les pas du rhino. C'est pas possible. On va revoir les cris aussi, le 1. Ah, là, on est un peu plus imposant déjà. Hein. Le 2. Donc, le 2, c'est l'amical. Hein. On va faire le cri agressif. Pas mal. Et le cri de peur. Ok, ok, bon. Ce bruit. Oh là 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 là. Voilà, j'ai nettement réduit le bruit des pas. Donc il y a toujours les cris, hein. Vous voyez, quand on le fait, on l'entend toujours. Par contre, le bruit de pas, je l'ai clairement réduit parce que le boum boum comme ça non-stop. Ça aurait été de trop. Ok, pas mal. Bon, voyons voir tout ça. Du coup, pour la prochaine croissance, là on est à 0,8. Il faut qu'on repasse à 1. Parce que là, je me demande si on est déjà adulte. Je pense pas. Je pense qu'on va être. Je pense qu'on va être sub, on va voir ça. Ah non, rhino adulte. Je sais pas si encore une autre phase de croissance. Par contre là franchement on est. Là on est bien. Là on est très très bien. Finalement est-ce qu'on a besoin de rester ici, d'attendre d'attendre qu'il fasse que la nuit passe. On est beaucoup trop bien. Il est trop beau notre rhino. Franchement j'adore.
Le jour commence à se lever. On a passé toute la nuit à dormir proche de la cascade. Et quel enfer passer toute la nuit à côté de ce bruit. C'est infernal. Mais bon, du coup, notre pauvre Rino, il a sûrement mal dormi. Allez, Otto. On va s'éloigner de cet endroit. Si je sens... On va aller en direction du nord. On est plutôt pas mal. Alors quand je t'en voyais tout en haut, j'ai donc la boussole qui me dit par où je me dirige. Là, on va aller au nord. Il y a tout le long des cascades. Hein. On va quand même mettre de temps en temps la vision nocturne pour pouvoir voir certaines choses. Ah ouais, en vrai, je comprends le bruit que ça faisait. Hein. Regardez-moi ces cascades. En vrai, c'est grave joli. C'est vraiment trop trop beau. C'est juste dommage qu'il y ait vraiment ce bruit qui est genre atroce. Mais faut être honnête, c'est vraiment très très joli comme zone avec la cascade et tout. Il y a des petits lacs, je pense qu'on a quelque chose à manger par là. Ouais, on a là derrière. Voilà le trajet que j'ai fait. Cette zone, elle est incroyable. J'aimerais bien m'installer ici. Mais le bruit, il est infernal. Sincèrement, je pourrais pas. On a déjà fait tellement longtemps ici, là, pour dormir et tout. Que ça me paraît vraiment trop long. On voit hein, que chaque animation, quand il boit, il y a un petit rollback derrière, mais bon. Je vous avais dit, le jeu, il est toujours en développement. Du coup, on peut un peu pardonner ce genre de détails dans le jeu. Surtout que ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti. Et il est gratuit. Donc vraiment, je pense que ça pardonne quand même beaucoup plus que si le jeu, il était payant et on devait jouer. Même on aurait l'accès avec des bots comme ça, quoi. En vrai, il est grand, ce fleuve. Hein. Je me demande s'il n'y aurait pas des crocos par là. Ça, faut faire attention. Vous imaginez pas à quel point les cercos, ils sont géants. Hein. Même comparé à moi, c'est un truc abusé. Déjà, je suis un sacré bébé, moi. Alors, honnêtement, les cercos, c'est quelque chose. Hein. J'aurais aimé traverser. Par contre, je n'ai aucune idée si... quelle est la capacité de mon rhino pour pouvoir nager et son endurance. Et si on a plus d'endurance avec un animal, on commence à avoir la barre d'oxygène qui va diminuer. Et si la barre d'oxygène arrive à zéro, c'est la mort instantanée, quoi. Donc, j'ai pas trop envie de prendre le risque non plus d'essayer de traverser ici et mourir maintenant bêtement, quoi. A few moments later. Vous pensez qu'on arrive à traverser là? On essaye. Non, on n'arrivera pas. Je reviens. Non, on n'arrivera clairement pas. Avec notre rhino. Heureusement que j'ai pas continué. Regardez. Oh, déjà là, c'est juste. On commence à prendre des dégâts d'oxygène. S'il arrivait à zéro, on serait mort instantanément. On n'arrivera pas à traverser ici. Oh, purée, il faut que je fasse tout le tour. Ah, je pense qu'on n'aura pas le choix. Peut-être que là, on pourrait essayer. Hein. Je vais voir. Peut-être qu'ici, il y a moyen de réussir. Sachant qu'il y a un passage là. Je vais pouvoir récupérer. Ah mais c'est long. Hein. C'est très très long, hein, un rhino. Hein. Déjà, il faut que je puisse grimper ici maintenant. Dans un premier temps. Alors, s'il te plaît, grimpe. Ok. Ok. Jusque là, tout va bien. Oh purée, c'est tendu. C'est super tendu. Ok, est-ce que vous pensez qu'on arrive à aller de là-bas de l'autre côté maintenant? Alors revenir sur mes pas, j'arrive juste. Ouais, c'est à peu près moitié-moitié, hein, ça sera faisable. Parce que j'ai récupéré toute mon endurance. Bon, allons-y, on va retester. J'ai peur. Allez, Otto. Tu peux le faire. Ouais, j'ai pris un peu d'élan. Quand vous prenez de l'élan dans ce jeu, si vous faites un saut avant d'atterrir dans l'eau, bah ça vous propulse un petit peu plus rapidement.
Du coup, là, je pense qu'on est pas trop mal. Allez, allez, encore, encore. Ce sera juste. Ce sera juste, juste. Je vais bientôt commencer à prendre de l'oxygène. Oula, ça va être serré. Hein. Oh, allez, s'il te plaît. Et l'oxygène qui descend très, très vite. S'il arrive à zéro, c'est fini. Hein. On a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de risques. Alors là, honnêtement, franchement, là, j'ai eu peur. Hein. Si on meurt maintenant, ce sera la fin de la série. Hein. C'est clair que je vais pas recommencer nouveaux épisodes. Ce serait dommage de finir directement dans les premiers épisodes. Ça aurait été terrible. Bon, on a survécu. C'est une bonne chose de faite. C'est le plus important. On va continuer.